en 2008, donc j'avais 3 enfants, j'avais plus de temps, enfin ils étaient un peu plus grands, et j'étais psychiatre. Pour moi, il fallait que ce que je peigne ait du sens. Dans mon travail, je travaille avec la souffrance individuelle et j'avais envie de peindre la souffrance collective. Et après, je suis tombée sur une photo de déportée à la libération des camps. Donc, j'ai fait une première peinture, puis une deuxième, puis une troisième. Puis, j'ai recommencé à lire des livres que je lisais adolescente sur la période de la Shoah. Et au fur et à mesure, imprégnée des mots, je peignais sur la toile. Je me suis laissée avaler, en fait. Au fur et à mesure que j'ai peint, je suis passée de la thématique de la position du témoin, qui était une grande question pour moi, qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin de quelque chose, et je suis venue à la question des traces chez les descendants, des traces chez les survivants, et de la difficulté de porter les traces. Et après, je me suis dit qu'il fallait peindre des mémoires qui n'ont pas d'espace pour s'énoncer. Parler des mémoires des handicapés, par exemple, c'est important parce qu'on n'en parle pas. Les handicapés, ils n'ont pas les moyens de parler de leur mémoire, donc il faut bien que quelqu'un en parle. Je suis médecin, donc ça me touche plus. Parler des homosexuels, dont on ne parle pas, c'est une mémoire difficile à porter. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la mémoire tzigane, parce que les tziganes ont du mal à parler, ont du mal à être entendus, et donc je me suis dit que j'allais parler pour leur mémoire. Donc je suis allée dans une communauté tzigane. Des gens ont commencé à parler un tout petit peu du Sami Daripen, donc le génocide ou quasi-génocide tzigane. C'est comme ça que je suis arrivée progressivement après à la
aux Tutsis qui venaient aux commémorations et qui était un génocide dont on ne parlait pas parce que c'était un peu compliqué en France de parler du génocide des Tutsis. Et je suis arrivée aux Arméniens. Parce que c'est un génocide qui se déroule sous nos yeux aujourd'hui, dont on ne parle pas. On ne se rend pas compte, ça se déroule sous nos yeux. Et je voulais en parler parce que voilà, témoin passif, témoin coupable. Nous aussi, on est coupable de cette indifférence. Société où on a vraiment une perte de repères. Les jeunes y partent s'engager en Syrie ou ailleurs, une quête de la mort. Et en fait, il n'y a plus ces repères identificatoires que pouvait représenter un résistant, quelqu'un qui défend l'autre, enfin qui a des valeurs positives de vie. Et on a l'impression qu'il y a vraiment une faillite de notre société. En exposant, je fais venir régulièrement des témoins à mes expositions, je leur demande de témoigner. Son histoire propre, son individualité, qu'on est unique et que ce qui fait l'unicité de chacun, c'est le regard, c'est la vivacité, c'est la vie qu'on a en soi. Quand on n'est qu'un numéro, on n'est plus un homme. Et donc c'est aussi cette didactique-là que j'ai dans mes toiles et qui se rejoue dans toutes les toiles. Et pour moi, la question, c'était pas de représenter uniquement les mémoires des victimes et des rescapés, c'était aussi représenter la mémoire des résistants et la mémoire des justes. Thank you.
On vit dans un monde où il y a un rapport très perturbé à la vie, où la mort est très présente. Elle est à la fois dédramatisée comme si c'était du jeu, dans les jeux qu'ont les enfants, où vraiment on dissocie la perte de vie de la question de la mort, et aussi une espèce de quête de la mort au lieu d'avoir une quête de la vie. Et je me suis dit, quand on entend les déportés, les rescapés, que ce soit de la Shoah ou que ce soit les rescapés arméniens, ce qui revient toujours, c'est l'amour de la vie. Pour moi, la couleur, c'est la vie. C'est une exposition qui est là pour pas transmettre la tristesse, mais vraiment transmettre la vie.